Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue à l'Académie Nouvelle Vie, bienvenue à toi, Hélène Kibaro, qui est une amie de longue, longue date. Ça Oui, fait au moins 10 ans qu'on se connaît, si ce n'est pas au plus. minimum, Et je hein, suis au minimum. ravie, voilà, je suis ravie de partager ce moment avec toi et puis avec vous tous. Et ce soir, tu vas nous parler de comment transformer nos obstacles en tremplin. Waouh! Oui, Donc, je vais te si laisser. on arrive à faire ça. Ouais, je vais te laisser te présenter. Et puis, je suis là, hein, je me retire. Je vous souhaite une très, très belle conférence. Et à tout de suite pour les questions, hein. Après, on s'arrêtera pour s'il y a des questions. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je suis Hélène Kibaro pour ceux qui ne me connaissent pas. Bonsoir, je vois qu'il y a du monde déjà. Geneviève, Ingrid, Mercedes, Alexandra, Martine, etc. La suite, je ne vois pas. Écoutez, je ne sais pas si vous suivez déjà tout ce que je fais, mais ce soir, on va parler de comment transformer les obstacles en tremplin. Et c'est ce que l'on fait justement avec la puissance créatrice de notre parole, de notre verbe créateur, des mots que nous prononçons, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez en faire une habitude, et c'est ça qui est le plus... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que je connais tout ça, puisque j'enseigne depuis 40 ans, ce qui n'est pas une mince affaire, tout cela. J'ai matérialisé, démontré énormément, énormément de choses, beaucoup sur la parole créatrice. J'ai raconté ça dans mes spectacles, parce que je suis chanteuse, compositrice, autrice, conférencière, bien sûr, et réalisatrice aussi. Et donc, ça m'a toujours passionnée et ça a toujours été intimement mêlé à tout ce que je fais. La puissance intérieure, en fait, cette partie à l'intérieur de nous qui est capable de tout dépasser, de tout résoudre, etc. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, principalement parce que j'ai vu que ces derniers temps, beaucoup de, etc., ont été confrontés à des choses difficiles, à justement des obstacles récurrents, des choses qui se représentent et on ne sait pas pourquoi alors qu'on les a, on les a dépassées depuis longtemps, etc. Et des petites choses, ce ne sont pas forcément des gros obstacles, ce sont quelquefois des petits obstacles mais qui prennent beaucoup d'énergie. Et donc, c'est de tout cela. Donc, tout a commencé en 1984. Moi, j'avais réalisé beaucoup de choses pour devenir chanteuse, pour être sur les chaînes de télé, radio, etc. Donc, c'était déjà un gros training, on va dire, de réaliser tout ça, surtout quand il n'y a pas d'artistes dans la famille, ou alors pas certainement des artistes, mais qui n'en ont pas fait une profession, un métier. Et puis, vous savez, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, hein, mais je sais que je n'osais pas dire. Moi, je le savais depuis toute petite que je voulais chanter. Je le savais depuis l'âge de 8 ans, depuis que j'avais participé à la chorale de l'école, qu'on m'avait mise chanteuse soliste. Et je savais que c'était mon chemin de vie, mais que diraient les parents? C'est pas un métier. Voilà. Donc, c'était des choses qu'on n'osait pas dire. Donc, passe ton bac avant, etc. Donc, c'est évidemment, j'ai suivi ce parcours normal et j'ai rien dit. Et puis, je me suis dit, il faudrait que je trouve un métier artistique au moins. Alors, je me souviens qu'il y avait une liste des métiers. Je ne sais pas si c'était l'école qui nous avait donné ça. Et je trouvais rien qui m'intéresse vraiment, sauf un truc. Le métier de visagiste, esthéticienne visagiste, ça, je me suis dit, ça se rapproche de ce que j'aime faire parce que c'est de l'art, de révéler la beauté des gens, c'est de l'art. Et donc, j'ai passé mes diplômes après le bac, après une année de fac, après. Normalement, c'était pas à ça que j'étais normalement destinée, non. Enfin, d'après les choses habituelles, j'aurais dû devenir prof de français ou quelque chose comme ça. Mais franchement, je n'en avais vraiment, vraiment pas envie. Je suis devenue
J'ai exercé ce métier jusqu'à devenir même directrice de la boîte pour laquelle je travaillais. Mais dans ma tête, bien sûr, le projet était toujours là de devenir chanteuse. Et d'ailleurs, j'écrivais mes chansons quand il y avait une accalmie dans le travail que je faisais. Il m'arrivait de chanter, de faire des galas ou d'aller en cabaret de temps en temps parce que je voulais commencer, quoi. Et puis il y a eu un grand miracle, donc ça je l'ai raconté souvent, c'est qu'un jour j'ai demandé à la vie de me donner un signe, comme quoi c'était bien ça que je devais faire, parce que dans ma famille, on avait normalement un métier avec un salaire qui tombe à la fin de chaque mois, et ce n'est pas le cas pour les chanteurs, ce n'est pas exactement la même chose pour les artistes. Et donc je me suis dit, comme c'était il y a très longtemps, hein, je ne sais plus quelle année exactement, mais c'était du temps de Giscard d'Estaing. Ce président-là, et il y avait à l'époque le chômage à 90% pour les licenciements. Enfin, vous savez, il mettait les gens comme ça en chômage à 90% pour, je ne sais plus d'ailleurs pour quelle raison, mais je sais que c'était un truc qui se pratiquait, les entreprises faisaient beaucoup ça. Et j'ai demandé ça. J'ai dit, voilà, si vraiment je dois devenir chanteuse, que j'ai une année sabbatique pour pouvoir faire ça avec les finances nécessaires devant moi, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Au lieu de ça, parce que la vie a beaucoup plus d'imagination, j'ai été nommée directrice de la boîte anglaise pour laquelle je travaillais en France, et mon salaire a été multiplié par 4, ce qui était formidable, mais c'était pas du tout, ça n'avait pas l'air de se diriger vers là où je voulais. Mais un an après, la firme anglaise m'a avoué qu'ils étaient en faillite déjà en Angleterre depuis un bout de temps et qu'ils comptaient sur moi pour faire marcher tout ça. Et moi, j'ai demandé à être licenciée parce que je n'arrivais pas. J'étais obligée de travailler dans les bureaux d'un distributeur qui imaginait des trucs à mon sujet, que je voulais lui prendre ça à sa place, alors que franchement, j'en avais rien à cirer, hein, on va dire. Je ne voulais qu'une chose, c'était chanter. Et donc, voilà, ça je l'ai raconté. Et ça a été merveilleux parce que j'ai eu non seulement des dédommagements, mais pendant un an, le loisir d'engager des musiciens, de répéter, de concevoir mon premier spectacle et de sortir mon premier disque. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres péripéties après. Et puis, je suis devenue donc une découverte de TF1. Avec la chanson que j'interprétais qui s'appelle Aurore à l'époque. C'était un disco, hein, c'était le temps du disco, c'était le temps de Clo-Clo et des Claudettes. Et donc j'ai créé, grâce à TF1 d'ailleurs, qui l'a exigé. C'est-à-dire que nous, au départ, avec mon partenaire de scène, on dansait. J'avais une petite poupée dans les bras Le chorégraphe, donc, qui devait me faire la chorégraphie pour moi, comme la chanson était très longue et allait dans les discothèques, elle faisait 9 minutes 02, la chanson, je crois, donc c'était très long. Donc on en était à 5 minutes de chorégraphie, il avait déjà fait les 5 premières minutes, et puis là il n'avait plus d'inspiration. Et on était devant la glace, au Théâtre du Lucernaire à Paris, et moi j'avais les mains comme ça, parce que j'exécutais des gestes avec mes mains qui sont issus de la danse indienne et tout, et j'attendais qu'il soit inspiré. Donc il s'est placé derrière moi et il a décalé ses mains un petit peu comme ça, vous voyez, donc ça faisait quatre mains, quatre bras qui apparaissaient. Et donc ces quatre mains, quatre bras étaient comme les branches d'une étoile, quoi, ces quatre mains, quatre bras qui apparaissaient dans le miroir, quoi, que j'ai vu. Je lui ai dit, s'il te plaît, on garde ça sur la chanson, et il m'a dit, oh, si ça peut te faire plaisir. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés aux découvertes de TF1. Mais le producteur de l'émission a exigé que ces quatre bras soient tout le long de l'émission, et c'est comme ça que j'ai dû remodeler la chorégraphie complètement et leur faire ce qu'ils avaient demandé. Et puis ensuite, ça a été beaucoup diffusé, et donc c'est ainsi que tout a commencé vraiment. Il y avait eu un autre disque avant, mais là c'était vraiment le truc que les gens retenaient. Et donc, comme je vous dis, j'avais déjà traversé beaucoup de choses. Donc peut-être que j'avais, je ne sais plus si j'avais 10 ou 15 ans déjà de carrière derrière moi quand j'ai découvert la puissance de la parole. Et donc,
Je vous la raconte toujours cette histoire parce que c'est la clé de tout ça. J'avais lu, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, les livres de Joseph Murphy, qui est un philosophe américain, qui était ses livres à l'époque, hein, je ne sais pas si c'est encore, encore pareil aujourd'hui, étaient en vente dans les grandes surfaces, carrément, des petits livres, quoi. C'était très facile, qui vous apprend que la pensée est créatrice, que voilà, il vous suffit de penser positivement pour que les choses fonctionnent bien. Il vous dit ça, donc on se dit, quand on lit tous ces livres, on se dit, ça y est, on pense positivement et tout va aller mieux. Donc on reçoit une grande dose d'énergie positive et tout va beaucoup mieux. Et donc on arrive à dépasser les obstacles, justement, à trouver la force en soi. Donc moi, j'avais toujours un de ces livres sur ma table de nuit. J'avais toujours un de ces livres pas loin de moi. Et vraiment, quand il y avait un truc à résoudre, eh bien, j'en sortais un. Et c'est vrai. C'est vrai que quand on lit ça, très vite, quand on lit quelques lignes de ces livres, on reçoit donc cette dose d'énergie positive et ça va beaucoup mieux. Mais c'est sûr que comme on ne fait pas le travail qu'il répète pourtant tout au long des livres, de formuler, on ne le fait pas. De formuler, on ne le fait pas. Non, non, non. On se contente de... Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être que vous l'avez fait. Mais à l'époque, non, je ne le faisais pas. À l'époque, je me contentais de les lire et pas de répéter les phrases comme il le suggérait tout le temps. Et donc, voilà. Donc, j'avais toujours ces livres non loin de moi. Donc un jour, j'ai quitté le petit copain producteur, le petit copain qui n'était pas du tout producteur, mais qui s'était transformé en producteur pour moi, c'est-à-dire que moi j'étais sa productrice, lui était mon producteur, on s'entraidait tous les deux, et je l'ai quitté au bout de pas mal d'années quand même, et en fait il avait laissé, parce que nos chemins se séparaient, quoi, il le fallait, et... Je me suis retrouvée seule avec le poids de ces productions et de tout ce qui avait été fait. Et je savais qu'il y avait une personne dans mon entourage, qui était une de mes amies, qui avait investi, je ne sais plus combien à l'époque, quelque chose pour un nouveau disque, je suppose, et qu'elle n'était pas rentrée dans ses fonds. Et cette fille-là m'appelle et me dit « Hélène, voudrais-tu venir chanter dans la brasserie que je viens d'ouvrir ?» Alors, je lui ai dit, bien sûr, je vais venir, parce que je me suis dit, comme ça, ça va compenser. Elle va récupérer, en nature, ce qu'elle a investi. Et je ne savais pas comment m'en aller de là, au bout d'un certain temps. Je voulais, moi, c'était très bien pour moi, parce que je pouvais roder mes chansons là-bas, mais ce n'était pas du tout le lieu adapté. C'est-à-dire que c'était une caisse de bière, c'était un projecteur vert, qui était très bien pour le teint, vous voyez, et puis surtout une chaîne IFI qui faisait des larcènes, donc c'était pas adapté, surtout pour que je commençais à l'époque à dire des choses qui allaient pouvoir aider les gens pour qu'ils fassent cette connexion avec leur subconscient qui a toutes les solutions. Vous le savez, si vous êtes allé en classe de philo, en tout cas à mon époque, en cours de philo, on nous a fait une heure de cours sur le subconscient. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont attendu si longtemps pour nous en parler? Et on nous a expliqué que, apparemment, le subconscient aurait toutes les solutions dont on pourrait avoir besoin, et qu'on ne sait pas jusqu'où vont ses pouvoirs. On n'a jamais pu mesurer parce que ça semble infini. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne nous l'ont pas dit à la maternelle, quoi, déjà, déjà au départ? Et je me suis passionnée pour ça, donc je suis allée dans les bibliothèques, c'était à Strasbourg, je sais que j'ai passé des journées entières en bibliothèque pour aller chercher toutes les informations sur ce sujet. Et c'est vrai que déjà, quand vous vous mettez sur un plan vibratoire plus élevé que l'environnement, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans les bonnes pensées, à imaginer le meilleur, etc., vos vibrations s'élèvent et donc c'est plus facile de franchir les obstacles et de réaliser les choses.
Mais à cette époque-là, donc quand j'avais quitté mon petit copain, eh bien, je ne savais pas du tout comment m'en aller de cet endroit où je chantais déjà depuis 3 semaines, 1 mois, et pour lui dire que bon, là, elle était remboursée au moins 3 fois. Mais comme on n'avait jamais abordé la question, qu'elle ne savait pas combien était payée une chanteuse, que voilà, elle, pour elle, ce qui était intéressant, c'était que comme on m'avait beaucoup vue à la télé, ça allait attirer du monde chez elle, et c'était ce qui l'intéressait, quoi. Et donc, je ne savais pas quoi faire, et il se trouve que moi, j'ai toujours enseigné le symbolisme du tarot entre deux spectacles, entre deux films, etc. Quand j'avais un moment, je réunissais, à l'époque, j'habitais la butte Montmartre, hein, c'était un minuscule studio de 13 mètres carrés. Donc, s'il y avait 3 personnes, c'était déjà plein autour d'une table ronde. Mais on passait une très bonne journée. Je pouvais leur expliquer à quoi sert réellement le tarot. Que c'est un outil vraiment d'introspection gigantesque et que c'est pas forcément fait pour faire de la divination. Et donc, j'enseignais donc ce symbolisme du tarot. Et il y a une jeune personne qui est arrivée et elle n'allait pas bien du tout. Elle était très belle avec ses longs cheveux blonds et dès qu'elle s'est assise, elle a commencé à nous raconter que l'homme qu'elle aimait venait de mourir, qu'elle n'avait plus d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture, qu'elle n'avait pas de travail, qu'il fallait qu'elle quitte l'appartement où elle vivait parce qu'elle ne savait pas comment l'assumer, que sa santé, ben, c'était pas top non plus, etc. Et moi, ben voilà, je lui ai dit, tu devrais lire un de ses livres de ce philosophe américain. Et elle m'a dit lequel, je dis n'importe lequel est le bon, ils te feront tous du bien. Et donc elle vient me voir chanter. Elle était devenue entre-temps copine avec tous les amis que j'avais sur la butte Montmartre, qui étaient tous des artistes, des chanteurs, des comédiens, des danseurs, etc. Et dès que quelqu'un avait un problème à résoudre, elle sortait de sa poche une petite fiche. Et elle disait, il faut dire ceci, il faut dire cela. Et moi, ça me faisait beaucoup rigoler. Je dis, ben dis donc, elle a fait un sacré travail là avec ses. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle m'a dit, oh, mais je les répète toute la journée. Qui fait ça? Est-ce que vous le faites? Et je dis, mais quand est-ce que tu trouves le temps pour répéter des phrases toute la journée? Elle m'a dit, oh, ben dans les embouteillages, quand je fais la queue à la caisse ou à la poste, quand je suis dans mon bain bouillonnant, etc. Et en fait, elle avait reprogrammé son subconscient de la bonne manière. Et c'est ça que je vous conseille de faire et que je me suis attelée à faire quand j'ai compris comment ça marchait. Parce qu'elle est venue me voir chanter, elle m'a dit c'est pas ta place ici. Je lui ai dit oui, je sais, je lui ai raconté la chose que je n'arrivais pas à résoudre. Et elle me dit oh là là, mais il faut dire. Et elle a sorti une fiche de sa poche et elle m'a dit il faut dire. L'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et moi, je lui dis oui, mais il y a des gens qui n'aiment pas le mot divin. Et elle m'a dit, oh, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut dire la solution se manifeste au cœur même du problème. Et ça va marcher aussi. Ou alors l'action parfaite, l'action correcte se manifeste au cœur même du problème. Et le résultat sera le même. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Enfin, moi, j'ai entendu très fort pour la première fois de ma vie le il faut dire. Jusque-là, je pensais que penser suffisait. Et c'est vrai que souvent, ça suffit. Mais pas toujours. Donc là, j'ai écrit la phrase en très gros caractères. Je l'ai mise sur ma table, puisqu'il n'y avait que 13 mètres carrés, donc je ne voyais que ça. Et toute la journée qui a suivi, alors je me rappelle plus bien maintenant parce que ça fait longtemps, hein. C'était en 84, donc toute la journée qui a suivi, je l'ai répété. Dès que je passais devant, je disais l'action correcte, l'action parfaite, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et donc, au cœur même du problème, c'est-à-dire dans le restaurant aux odeurs de frites, là, dans la brasserie, est arrivée une autre amie, une chanteuse, qui me dit pareil, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Je dis, mais non, mais je ne sais pas comment m'en aller, je ne sais pas comment lui dire, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas me fâcher avec elle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, etc. Et elle m'a dit, oh là là, mais tu vois, tu vas traverser la rue, là, il y a un cabaret en face, et il passe des auditions, tu vas passer l'audition, et tu vas être engagée immédiatement. Chose qui s'est produite, donc, dès le lendemain ou le jour suivant, je ne sais plus. Et donc,
Je suis revenue avec un contrat qui montrait le nombre et le montant de mes cachets et la question a été résolue. Donc là, c'était un obstacle. Mais c'était un obstacle où, pour la première fois, j'utilisais la puissance de la parole créatrice. Et cette chose-là a transformé ma vie complètement parce que d'abord, je me suis dit, si répéter une phrase, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, peut apporter une solution quand on ne sait pas du tout comment faire, peut-être que c'est une coïncidence, il faut voir si ça marche pour d'autres choses. Et donc, pendant les 3 mois qui ont suivi, c'était l'été, je n'ai fait que ça, pour tout. Toutes les questions de la vie quotidienne, tous les trucs embarrassants, etc. Et ça fonctionnait. C'était même très étrange. Par exemple, un jour, je devais finir un travail, je n'avais pas le matériel pour ça. Il me fallait des feuilles, il me fallait des stylos, il me fallait tout un tas de choses. Et puis il était trop tard pour aller chercher tout ça. Et quelqu'un a sonné à la porte avec tout ça, en cadeau. Alors là, j'étais vraiment très, très médusée de voir une telle chose. Je dis, mais alors, je l'avais, parce que je testais. Donc je formulais pour voir comment le subconscient, comment mon subconscient allait résoudre ça. Et c'était toujours très surprenant, vraiment. Je me souviens aussi d'un pull en cachemire que j'avais regardé dans une vitrine, il était extrêmement cher. Je sais plus de quelle couleur il était, genre vert d'eau, un truc comme ça. Il était de toute beauté. Et je me suis dit, bon, je l'accepte dans mon esprit, vous savez, c'est comme ça qu'il faut faire, je l'accepte dans mon esprit, ceci ou mieux encore. Donc c'était une phrase que j'avais trouvée dans ses bouquins. Hein. Et bien, je crois 15 jours après, une copine est arrivée, c'était mon anniversaire, j'en avais parlé à personne et c'était un pull en cachemire. C'était similaire, quoi, c'était ça, c'était magnifique. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de démonstrations comme ça, et puis au bout de 3 mois, j'en ai parlé à tout le monde. Donc à tout le monde, à l'époque, c'était les amis artistes sur la butte Montmartre. Et donc, je ne pouvais pas leur dire, vous savez, vous allez faire une affirmation positive et tout, parce que ça n'allait vraiment pas les intéresser. Et je leur disais, ah, vous ne savez pas comment résoudre ça, je vous fais une phrase magique. Et j'inventais la phrase. Il y avait une phrase qui fonctionnait pour tout, que je vous donne avec joie, parce qu'elle, déjà, elle est moi, hein, elle est je crois qu'elle est issue d'un de ces livres de Joseph Murphy. C'est l'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution à ce problème et me la donne immédiatement. Voilà, celle-là, notez-la. Notez-la, ayez-la toujours avec vous, parce que c'est une phrase qui va vous aider pour tout. Comme l'autre, hein, l'action correcte, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Parce que ces petites phrases, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous reconnectent avec la partie divine de votre être, avec la source, avec la puissance de vie à l'intérieur de vous. Et elles nous font prendre conscience que la vie va toujours vers le meilleur. Toujours, toujours. Ça vous reconnecte à la force positive. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je raconte toujours, je dis peut-être que quand on était de l'autre côté, on s'est dit, oh là là, mais nous, on sait faire, on va aller leur expliquer, etc. Mais c'est vrai que quand on arrive sur Terre, la résistance de la matière, on va appeler ça comme ça, hein, l'autre énergie, l'énergie contraire, elle est souvent très, très présente, on va dire. Et c'est vrai que tout notre travail consiste à mettre en équilibre ces deux énergies, cette énergie positive et énergie négative. Et donc, vous pouvez, avec votre parole, mettre en œuvre la puissance infinie de votre subconscient, hein, c'est la meilleure appellation qu'on ait, pour qu'il vous transmette, souvent par intuition, la solution. Alors, je vois, pouvez-vous répéter la phrase, s'il vous plaît? Alors, je vous Oui. répète les deux phrases. La première, c'était l'action divine se manifeste au cœur même du problème. C'est vrai que quand on dit le mot divin, ça veut dire que c'est parfait, quoi. C'est ça qui est dans notre esprit. C'est la meilleure chose qui puisse se passer.
Mais vous pouvez arranger cette phrase à votre gré, à votre sauce, comme je dis. Et la deuxième, c'est l'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution à ce problème et me la donne immédiatement. Donc voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup travaillé pendant 4 ans avec tous les amis que j'avais, avec tous les gens qui venaient, parce que de temps en temps, je faisais aussi du coaching et tout, me consulter. Et je voulais dire aux gens, mais vous avez en vous tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas besoin, vous n'avez pas besoin de me demander quoi que ce soit. Eh bien, vous savez, ils n'aimaient pas beaucoup. Ils n'aimaient pas beaucoup qu'on leur redonne leur liberté. C'est de ça dont je me suis aperçue, c'est que la liberté faisait très peur. Savoir qu'on a en nous cette puissance infinie et qu'on peut s'en servir, eh bien, tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour ça, parce que on a l'habitude de demander la permission. On va demander, est-ce que vous pensez que, moi, très souvent, quand j'enseigne, les gens me disent, mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Mais moi, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Mais je sais que vous avez en vous la force infinie qui va vous aider à arranger ça de la meilleure manière qui soit. Et donc, il s'est passé énormément, énormément de démonstrations, de miracles, entre guillemets, hein, ça tenait du miracle, bien souvent, parce que c'était des solutions inespérées. J'adore raconter l'histoire du canapé. Parce que j'avais fait une phrase magique, en tout cas pour moi, pour matérialiser l'argent nécessaire pour acheter un nouveau canapé-lit qui ne prenne pas toute la place, parce que le mien, dès qu'on le dépliait, on ne pouvait plus bouger dans les 13 mètres carrés. Et je voulais un tout petit canapé à 2 places, bien sûr, pour que je puisse y mettre aussi mon amoureux de temps en temps, et qui se manie facilement, qui soit extrêmement léger et tout, et j'avais trouvé ça. Et j'avais reçu l'argent nécessaire pour ça, donc je l'avais commandé. Et le canapé allait arriver. Et ma voisine de la butte Montmartre me dit, est-ce que tu pourrais nous offrir ton vieux canapé? Parce que nous, ça nous ferait bien plaisir d'avoir ton vieux canapé. Il sera parfait pour nous. Il était en daim, l'autre. Celui que j'ai acheté était en tissu, je me rappelle. Mais il était tellement plus léger, tellement plus agréable, en mousse, etc. Il faisait pas mal au dos. Et donc, je lui dis, d'accord, mais comment on va faire? Parce que les garçons ne sont pas là, ils sont en tournée. Le mien, il est en province, et le tien, et le sien aussi, pareil. Et donc, on n'avait pas de garçon fort sous la main pour monter du haut de la rue Le Pic où j'habitais. J'habitais une petite rue qui est dans la rue Le Pic. Je ne sais pas si les Parisiens, les Parisiennes la connaissent. C'est la rue de l'Armée d'Orient. Et il fallait monter sur la butte Montmartre, carrément, sur la place du Tertre. Et je lui dis, je ne sais pas comment faire, mais moi, c'est OK. Alors elle m'a dit, oh bah, tu vas faire une phrase magique, on va faire une phrase magique ensemble, etc. Et donc on a fait cette phrase absolument géniale qui était, l'intelligence infinie de nos subconscients réunis sait comment amener ce canapé d'ici jusqu'à la place du Tertre et nous donne la solution dès à présent, mais on n'avait pas de solution. Donc les livreurs sont arrivés et ils m'ont dit, mais madame, on ne peut pas vous mettre le canapé parce qu'il n'y a pas de place chez vous. On peut pas. Faudrait sortir l'autre. Alors j'ai dit, oui, je sais, mais on ne sait pas comment faire. Et j'étais là avec ma copine. Hein, voilà, on leur a expliqué que vraiment c'était un peu lourd pour nous. Et il y avait 2 garçons. Et ils m'ont dit, mais on vous le prend, l'ancien. On l'amène où vous voulez. Et ils ont embarqué ça sur leur gros camion et j'ai pu. Voilà. Ça, c'était le genre de solution inespérée, miraculeuse et tout. Mais ça nous mettait dans une joie indescriptible pour tout. Parce que c'était pour. On s'était amusé, on s'était exercé à en faire pour tout. Et voir comment ça se résolvait. Et donc, on s'est aperçu aussi qu'il fallait faire extrêmement attention à la formulation. Parce que votre subconscient y réalise selon la formulation que vous avez employée. Par exemple. Donc au bout de 4 ans, moi je me suis aperçue qu'il manquait beaucoup de choses dans ma vie. Donc j'ai demandé tout ce que demande une fille, c'est-à-dire rencontrer l'homme de ma vie, un ou plusieurs enfants, habiter dans un duplex, comme ça je pourrais faire le bruit que je veux quand je chante, etc. Dans Paris, bien sûr. Faire le Casino de Paris, l'Olympia, etc., puisque je suis chanteuse, donc il fallait aussi un producteur, etc., etc. Et j'avais bien décrit tout ça, hein. Je l'ai demandé. J'avais fait une longue affirmation, je remerciais la toute puissance infinie de mon subconscient de me livrer toutes ces choses
de la meilleure manière, ceci ou mieux encore, dans l'harmonie du plan cosmique. Rajoutez toujours ça, ceci ou mieux encore, dans l'harmonie du plan cosmique. Vous pouvez faire toutes les demandes que vous voulez, mais toujours rajouter ça. C'est une protection magistrale, parce que nous, on va imaginer une petite chose, pas forcément ce qu'il est capable, ce que le subconscient est capable de vous apporter. Et donc, c'est l'expérience que j'ai vécue. Donc, du 30 juin au 30 juillet 1988, je le sais par cœur parce que j'en ai fait un spectacle qui est passé au Casino de Paris, qui est passé au gymnase, etc. Et je l'ai raconté un peu partout et les gens ne voulaient pas partir parce qu'ils voulaient la suite, la suite. Et donc, moi, je finissais le spectacle, comme je vais vous le dire là. Donc, j'ai tout demandé pendant 30 jours, tous les matins. Je disais cette phrase, cette longue affirmation en remerciant pour ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Ne vous découragez pas quand c'est désespéré comme ça. Il faut que le subconscient fasse le ménage. C'est ça que j'ai expérimenté. Donc, il y a eu un grand ménage d'abord. Mais c'était assez déstabilisant, on va dire. Mais bon, je me suis dit, on va voir si ce que raconte ce philosophe américain, c'est la vérité. C'est un test. Voilà, après on vous dit, oui, mais il faut avoir la foi. Mais ayez la foi juste pour essayer, ça suffit. Hein. La foi, la croyance que ça pourrait marcher, ben voilà, vous tentez le coup, quoi, pour voir. Une fois que vous avez une, deux, trois, quatre preuves que ça fonctionne vraiment, là, vous commencez à avoir la foi dans la puissance infinie de votre subconscient, dans la toute-puissance infinie de la source à l'intérieur de vous, de la source de la vie. Voilà. Et donc, en fait, ça vous reconnecte à ça. Ça vous reconnecte à la vie, qui va toujours pour le mieux. Mais c'est sûr que nous, on a appris beaucoup d'autres choses. Et ce qu'on nous ont appris nos parents, c'est pas forcément ça. À moins que vous ayez eu la chance de vivre dans une famille qui était déjà au courant. Ce qu'on a fait aussi, je le sais, parce que les expériences douloureuses qu'on a pu traverser, on les juge. On dit c'est comme ça, il se passe ceci, etc. On émet des jugements et ces jugements, ce sont comme des autoroutes qu'on crée pour ça et ça se reproduit. On parlait tout à l'heure avec Sylvana, justement, des blessures de trahison, etc. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de traiter ça de la bonne manière, parce que ça nous fait des traumatismes, et ces traumatismes, ils sont coincés à l'intérieur de nos cellules et tout ça. C'est ce que vous allez apprendre dans l'atelier qu'on va faire au mois de novembre. Je crois que c'est le 19 novembre, pour celles et ceux qui vont s'inscrire. Et c'est un atelier où donc vous allez recevoir un assemblage complet, un assemblage de cartes, quatre cartes qui vont vous aider justement à trouver les meilleures solutions à chaque fois. Et que vous pourrez utiliser pour tout. Et c'est un assemblage que, figurez-vous, j'ai fait quand on était en plein confinement. Je ne sais plus si c'était le premier ou le dernier. Et je l'ai fait pour tout le monde parce que tout le monde était très angoissé avec ce qui se passait dans le monde et en France. Et j'ai dit, mais nous, on a la baguette magique. Alors j'ai dit, voilà, je fais l'assemblage et on le fait tout ensemble, chacun chez soi, quand il veut, quand il peut, une fois par jour au moins. Et 10 jours après, c'était fini. 10 jours après, la liberté était... Donc c'est cet assemblage-là que vous allez recevoir qui s'appelle « Pour la solution idéale ». Voilà, mais cela dit, j'ai créé un jeu de tarot qui s'appelle le tarot Kibaro, que certaines et certains d'entre vous connaissent. Ça fait des années que j'enseigne avec ce jeu, parce que quand j'ai sorti mon premier livre, j'avais mis des illustrations de ce jeu que j'utilisais déjà dans mes cours. Et donc c'est un jeu de tarot qui est conçu selon le tarot normal, hein. Il y a 78 arcanes. Les arcanes majeurs peuvent se rapprocher un peu de ce que l'on voit dans le tarot de Marseille ou ailleurs. Les arcanes mineurs, ils ne sont pas représentés dans le tarot de Marseille, dans certains autres aussi, mais très souvent, il y a des interprétations négatives. On ne vous dit pas qu'il y a les deux choses. Dans la vie, il y a toujours les deux énergies. Il y a toujours... Donc, il y a quatre cartes, je crois, dans le jeu de tarot normal qui font toujours très peur aux gens. C'est la tour, la mort, l'homme pendu et le diable.
Mais personne. Alors on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça m'annonce? Mais non, elles ont des significations positives aussi. Et donc dans ce jeu, vous ne trouvez que les significations positives. Donc je vous le répète, c'est un jeu qui est truqué, mais c'est truqué exprès pour pouvoir travailler sur son subconscient et lui mettre des bons modèles mentaux, refaire des bonnes programmations et pour travailler sur soi-même. Et donc il a fait ses preuves parce qu'il est sorti en 1993, je crois, hein, après le livre. Il a été épuisé, bien sûr, hors stock. Il a été réédité en coffret magnifique avec un livret à l'intérieur beaucoup plus épais parce que dans le premier, il y avait un tout petit livret. Il y avait des miracles de toutes sortes, de tous les coins de France et même des pays francophones, etc. Mais c'est un des livrets, c'est un des livrets que je préfère, où vraiment les personnes qui ont testé vous racontent. Voilà les cartes que j'ai travaillées. Voilà. Alors quand je dis travailler, ça veut dire regarder l'image et dire la petite phrase à haute voix. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est vraiment affirmer, dire cette affirmation. C'est mieux à haute voix parce que vos cellules l'entendent. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus fort quand vous le dites à haute voix. Mais ça marche aussi si vous êtes obligé de le faire silencieusement. Mais vous pouvez toujours trouver 30 secondes dans votre vie pour faire ça une fois par jour. Ça prend, quand je dis 30 secondes, je suis généreuse parce que peut-être ça prend que 5 secondes. Comment ça s'est réalisé? Donc j'ai répété ma grande demande pour que ma vie change totalement et recevoir tout ce qu'une fille est en... mérite de recevoir du 30 juin au 30 juillet. Je précise que je ne pouvais pas avoir d'enfant parce qu'il fallait faire une opération et que c'était hors de question parce que j'avais vu ce que ça faisait à ma copine, à une de mes meilleures copines qui avait le même problème que moi. Et de toute façon, elle n'a jamais pu avoir d'enfant du coup. Et bien donc, j'ai demandé tout ça en me disant, ça a l'air impossible, mais on va voir si ça marche. C'était ça que je vous disais tout à l'heure, avoir suffisamment de foi pour essayer. Et donc, pendant 30 jours, tous les matins, j'ai demandé. Et puis après, j'ai laissé tomber. Et comme je vous dis, la situation était de plus en plus dramatique. Donc là, on était le 30 juillet. Le 15 août, je ne vous en parle même pas dans quel état j'étais parce que ça allait de mal en pis. Mais le 18 août, c'était ma fête. C'était la Sainte-Hélène. Et là, il s'est passé un grand miracle que je raconte dans mes... Je ne vais pas vous raconter tout ça, mais c'était carrément miraculeux. C'était de l'ordre du miracle où j'ai reçu une grosse somme d'argent qui m'a permis de payer tout ce qui était en attente. Parce que moi, j'avançais pour ma carrière, mais il fallait payer les musiciens, il fallait payer ceci, il y avait plein de choses à payer et je n'avais pas forcément les moyens de faire tout ça. Donc j'avais emprunté énormément d'argent et il s'était passé énormément de solutions miraculeuses, on va dire, avec les banquiers qui savaient que ma situation, elle n'était pas sécure. Mais qui, au vu de ce qui avait été réalisé, me faisait confiance. Et voilà, donc j'avais emprunté énormément d'argent. Je crois que j'avais emprunté 200 000 francs à l'époque. Et donc, je reçois une première somme. Je reçois la moitié. Ouais, c'est ça, je reçois 100 000 le jour de ma fête. Donc ça, je ne vous le raconte pas parce que c'est trop long. Mais c'était miraculeux le 3 septembre, j'ai rencontré celui, bien sûr, parce que j'avais demandé, rappelez-vous, un homme, un amoureux, avec qui je puisse avoir des rapports épanouissants en amour. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites très attention des mots que vous employez, parce que j'ai été épanouie tout de suite, c'est-à-dire que j'ai été enceinte tout de suite, très très rapidement dans les 6 premiers mois, alors que normalement ça ne fonctionnait pas. Et donc, je me suis retrouvée en train de déménager dans un grand appartement où je voyais les duplex en face, mais c'était pas, j'y étais pas, mais c'était très bien. Et en train de préparer le Casino de Paris, donc une série de concerts, de spectacles avec danseurs, etc. Et en train de sortir un nouvel album, et donc enceinte, et avec un homme avec qui je m'entendais extrêmement bien. Sur tous les plans. Et je dis toujours, j'avais pas demandé qu'il fasse la cuisine, parce que je me suis dit, là, t'exagères quand même un peu. Mais c'est vrai que pendant le week-end, il faisait la cuisine. Et je disais, quand même, c'est extraordinaire. Et puis, en fin de compte, le duplex, je ne l'ai jamais eu, mais c'était des maisons à 3 niveaux. Donc, c'était triplex. Et quand j'ai habité 25 ans à Vincennes, c'était un jardin dans lequel il y avait
Il y avait le jardin autour de la maison et dans le jardin, mon atelier, où je pouvais faire autant de bruit que je voulais, etc. Où on pouvait mettre les grand-mères quand elles arrivaient, etc. Voilà, donc ça a été vraiment une. C'est du concret ce que je vous raconte parce que c'était de la matérialisation concrète. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne et de pouvoir donner ce mode d'emploi à tout le monde. Donc, je vous ai donné le mode d'emploi. Quand vous allez recevoir les témoignages, vous aurez encore beaucoup, beaucoup d'infos pour pouvoir faire de même dans votre propre vie. Et surtout, venez à l'atelier de l'Académie Nouvelle Vie le 19, parce que là, vous aurez beaucoup plus que tout ça. Je ne peux pas tout vous dire ce soir parce que c'est long. C'est très, très long. Et y a énormément à dire. Voilà, je traite tous les sujets parce que là, c'est vrai que ces derniers mois, on a été beaucoup préoccupés par tout ce qui était, comment dire, implants, fausses croyances qui ont été collées sur nous par les lignées quelquefois, ou par nos parents, ou par nous-mêmes. Défaire toutes ces choses qui font que il y a des choses récurrentes qui se reproduisent, etc. Donc c'est comment enlever tout ça, c'est-à-dire le mariage entre votre esprit conscient et votre esprit subconscient, c'est ça. Il faut que ce premier mariage fonctionne bien. Et chaque fois que vous obtenez un résultat satisfaisant, c'est que votre conscient est d'accord avec votre subconscient, votre homme intérieur est d'accord avec votre femme intérieure, ils s'aiment. On va dire même qu'ils font l'amour à l'intérieur de votre cerveau et ça donne naissance au désir de votre cœur, ce petit enfant que l'on voit aussi dans les jeux de tarot, parce que dans les jeux de tarot, vous avez des cartes où il y a l'homme, la femme et l'enfant, ou alors simplement l'homme, ou alors simplement la femme, ou alors le prince charmant qui vient réveiller la belle au bois dormant. Vous avez tout ça. À chaque fois que vous voyez une femme, c'est votre esprit subconscient. Et chaque fois que vous voyez un homme, c'est votre esprit conscient. Il faut retenir ça. Tout étant symbolique dans ces enseignements qui étaient donnés, parce que libérer les gens, je pense que beaucoup, beaucoup d'enseignants sont venus le faire très tôt. Mais ils ont été très embêtés à certaines époques, puisqu'il y avait l'Inquisition, etc. Mais dire on joue aux cartes, ça passait. Et c'est comme ça que le tarot était un outil d'instruction, en fait. Donc, oui, on disait, on joue aux cartes. Ça a évité d'être vite brûlé. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, ben, écoutez, allez-y, hein, on va répondre aux questions. Je vais vous montrer une carte de ce jeu. Justement pour lever les obstacles. Voilà, celle-ci, c'est la roue de la fortune. C'est une carte que vous allez retrouver dans l'assemblage que je vais donner à ceux qui viennent à l'atelier. Cette carte-là, la roue de la fortune, la 10, c'est une carte qui vous détend. C'est une carte qui est un accélérateur d'ondes positives. Donc quand vous êtes fatigué, vous regardez l'image et vous dites la petite phrase qui dit: je demeure calme en toutes circonstances et cette paix transforme toute expérience en victoire parfaite car tout change sans cesse. C'est une carte qui vous recharge, qui vous permet de sortir vite des difficultés, mais qui surtout vous permet de garder votre calme. Et j'avais une de mes élèves qui me disait, elle était dans un poste de direction très haut placé, dans une chose pas de prêt-à-porter, mais oui, vous savez, des grands couturiers, etc. Et donc, il y avait beaucoup de stress, et parce qu'il y a des événements, et quand il y a des événements à préparer, ça fait beaucoup de stress. Et c'était sur ses épaules, et elle n'y connaît rien en technique, et les ordinateurs, et tout ça. Et elle me disait, dès qu'il y a un problème, je commence par dire cette phrase. Et j'ai beaucoup d'élèves, ils n'ont pas forcément le jeu dans leur poche, ou dans leur téléphone. Et donc, cette femme-là me disait, je commence par dire ça parce que ça me calme. Et comme je reste calme, les solutions peuvent arriver. Et je trouvais ça très, très intelligent. Et il y avait une autre phrase qu'elle utilisait aussi, c'est la phrase qui illustre la carte de la tour qui fait peur à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous connaissez même dans le jeu de tarot de Marseille, on voit deux personnages qui dégringolent de cette tour, un homme et une femme. Et c'est toujours l'esprit conscient, l'esprit subconscient. Donc, c'est les fausses croyances qui sont éliminées. Et la phrase vous dit, toute prédiction néfaste
Tout plan qui n'est pas en accord avec le plan cosmique de bien sont dès à présent dissous. Et cette carte-là, elle est surpuissante pour tout ce qui n'est pas conforme, parce que sur le plan le plus haut de la conscience, il n'y a que le bien, que le bonheur, que la lumière. Voilà. Et c'est vrai que c'est mieux de s'axer sur le meilleur conçu pour nous plutôt que d'évoquer les choses douloureuses. Douloureuses parce que nos cellules se souviennent, entendent, etc. Et que c'est mieux de reprogrammer tout ça. Parce qu'on n'a pas été, éduqués de la bonne manière. Et là, vous allez rééduquer donc votre subconscient. Reconditionner, voilà. C'est comme un ordinateur, hein, en fait. C'est ça. Cet ordinateur, il est à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est à nous de faire le travail. Ça ne se fait pas en un jour. Mais il y a des choses qui peuvent arriver en 2 minutes. Vous allez vous en rendre compte. Tout se développe au fur et à mesure. Et j'ai des élèves maintenant, elles n'ont même plus besoin de demander. C'est résolu avant qu'elles ouvrent la bouche parce que leur subconscient a été bien reformaté, on va dire, et donne les solutions très vite avant qu'elles y pensent. Et je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, je vois ce genre de témoignages. J'ai hâte que vous lisiez tout ça parce que c'est vraiment... quand vous avez un résultat, 2 résultats, 3 résultats, 4 résultats positifs, à la fin, vous savez que ce n'est pas une coïncidence. C'est vraiment quelque chose de réel. Et c'est vrai que votre parole est créatrice. Et que vous allez pouvoir trouver les solutions. Et de toute façon, ça nous a été dit déjà dans la Bible, hein, où vous avez au commencement été le Verbe, donc la parole, le son, et tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Voilà, donc c'est par la vibration. Ce qui veut dire que tout ce que l'on émet, et dans chaque parole que nous prononçons, il y a une énergie. Et c'est pour ça que je veux former des formateurs et des formatrices de plus en plus, pour qu'ils puissent donner l'info, parce que les gens ne le savent pas, et il faudrait que ce soit enseigné en maternelle, aux petits-enfants, pour qu'ils apprennent à utiliser leurs paroles de la bonne manière et pas pour créer plus de douleur ou de souffrance, ce que l'on fait obligatoirement, puisqu'on a appris à se faire du souci. Quoi qu'il en soit. Le plus dur, c'est pour les mamans. Hein. Enfin, ce que j'ai vécu. Quand on travaille là-dedans, on sait ça, mais on n'arrive pas à s'empêcher de se faire du souci pour son enfant. Voilà, Sylvana, ça l'a fait rigoler. Et je sais qu'elle pense la même chose. Et moi, je m'entendais penser des trucs et tout. J'étais vexée. Parce que je me disais, j'enseignais déjà depuis un bout de temps. Et puis, j'avais déjà tout transformé. Mais voilà, on se fait quand même du souci. C'était parce que c'est imbriqué dans nos cellules. Nos mères, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères, elles ont toutes fait pareil. Et donc, ce sont des modèles mentaux, des implants, des habitudes de pensée, des habitudes engrammées, on va dire, dans tout ça. Donc, il faut faire le ménage. Et c'est tout ça que vous allez apprendre sur chaque plan de votre vie, etc. On va en faire un maximum pendant l'atelier du mois de novembre. Mais inscrivez-vous parce que c'est vraiment, vous allez déjà apprendre beaucoup, quoi. Alors, c'est le mardi 19 novembre à 20h. Oui, à 20h. Donc, dans cet atelier, on va utiliser comment utiliser la parole créatrice pour retourner des situations dans le positif. Apprendre aussi à distinguer le vrai du faux, se connecter au monde des idées parfaites, et ça c'est fabuleux puisqu'on rentre dans un autre niveau de conscience. L'utilisation et les significations des assemblages de cartes du tarot Kibaro. Et aussi, tu répondras à des questions sur chaque participant. Bien sûr. Voilà. Cet atelier, vous allez retrouver la créativité, hein, comment recréer votre vie, oui, c'est ça. Et acquérir la maîtrise des pensées, la maîtrise des paroles et désintégrer les entraves pour piloter votre vie. C'est un beau programme. Désintégrer maîtriser les paroles, c'est ce qu'on a de plus facile à faire, parce que maîtriser les pensées, ça va tellement vite, hein. Mais avec la parole, on y arrive, et quand on arrive à maîtriser les pensées, après on peut maîtriser les émotions, ce qui est encore plus difficile. Et une fois qu'on arrive à faire ça,
pour ça que la carte que je vous ai donnée là pour avoir, pour garder le calme, c'est qu'un jour il y a un monsieur dans une conférence, il m'a dit: mais madame, vous avez réussi à faire tout ça parce que vous avez gardé votre calme. Et moi j'ai ouvert des grands yeux, j'ai dit: qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Mais en effet, c'est ça, parce que dès qu'on est stressé, et ben ça circule plus dans le bon sens. C'est ça. Donc ben voilà, c'est du training hein, tout ça. Mais au fur et à mesure, je Oui. conseille toujours d'avoir un cahier pour noter. Voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que pendant combien de jours je l'ai fait, voilà de quelle manière je l'ai fait, voilà quand ça s'est réalisé de la bonne manière. Et garder la mémoire de tout ça, parce que le jour où ça va pas, eh ben vous êtes très contente d'avoir une trace. Et de vous dire: ah oui, non, mais ça, je sais faire. C'est ça. Voilà, vous allez vous amuser beaucoup. Nous, on s'est beaucoup amusé au tout début. On s'amuse toujours autant. Parce que je vais vous raconter une histoire très rigolote, là. J'adore la raconter. C'est une de mes élèves qui m'a raconté ça. Elle était toute nouvelle. Et son mari venait d'acheter une nouvelle voiture, vous savez, hyper sophistiquée, avec tout électronique, etc. Il devait partir en voyage. Ils étaient en retard. Il fallait faire vite et tout. Et le mari n'arrive pas à ouvrir la portière. Ça ne s'ouvre pas. Et elle était tombée amoureuse d'une carte qui lui parlait beaucoup, parce que dans ce jeu, comme il y en a 78, il y en a une, deux, trois ou quatre qui vont d'un seul coup vous faire: ah oui, non, mais c'est ça dont j'ai besoin, et vous allez la retenir plus facilement et tout. Et donc, elle n'avait pas le jeu avec elle, mais dans sa tête, elle a visualisé le fol, la carte du fol, du fou. Et elle répétait silencieusement sa petite phrase qui dit: la toute-puissance cosmique est au centre de mon être, elle peut donc répondre victorieusement à chaque défi, j'ai confiance. Et ça a duré une demi-heure, hein, l'histoire, pendant qu'il essaye d'ouvrir la porte et ça marche pas. Et à la fin, elle lui dit: est-ce que je pourrais essayer? Et il lui fait: oh, si ça peut te faire plaisir. Il lui donne la clé. Elle s'est approchée de la voiture. Et avant même qu'elle ne rentre la clé dans la serrure, elle a entendu un grand clac. Et le mari lui dit: mais comment t'as fait? Et elle répond: un certain doigté. Alors voilà, ça c'est des choses qui m'amusent énormément, parce que donc elle a reprogrammé la situation, quoi. C'était vraiment spectaculaire, mais elle en a fait plein d'autres. Magique. Magique. Ouais. Ah Voilà. oui, c'est C'est-à-dire magique. que vous retrouvez votre part d'enfance, hein, quand vous. Une des grandes découvertes, il y en a eu beaucoup d'autres, c'est ce que je raconte depuis toujours. Donc j'ai beaucoup d'exemples. Voilà. Je vous ai tout dit pour ce soir. Super, super, merci beaucoup, beaucoup, Hélène Kibaro. C'est un beau moment qu'on a passé avec toi. Et merci. Bon, il n'y a pas de questions, hein. Il y a des personnes Alors, il y a une qui fille qui nous partagent. dit, aujourd'hui, je choisis de vivre dans la lumière de mes espoirs plutôt que dans l'ombre de mes doutes. Oui, c'est Bah, une. juste, juste, je choisis de vivre dans la lumière de mes espoirs, c'est très bien. Ça Oui. suffit. Ça suffit. On met l'accent sur le positif. Alors, mettons l'accent sur le Oui. positif, parce qu'on s'est aperçu qu'en voulant aller creuser les traumatismes, les machins et tout, ça remuait quand même beaucoup de choses C'est ça, qu'on c'est n'avait ça. pas forcément envie On en de parlait remuer. tout à l'heure. Ouais. Alors, donc le mardi 19 novembre, hein, C'est voilà, ça, ça à 20 h. sera cet atelier magnifique où il va y avoir de la magie et c'est Et des génial. Donc, cadeaux, je vous invite à et des beaux cadeaux. Ah, et aussi plein de cadeaux, oui, c'est vrai. Et donc, Voilà. je vous invite à cliquer sur le lien pour rejoindre l'atelier. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour le mot de la fin, pour clôturer cette belle Pour le mot de conférence? la fin, n'abandonnez pas. Don't give up, comme on dit en anglais. Parce que quelquefois, il y a des choses qui sont costauds par rapport aux obstacles. Et si on abandonne, eh ben on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Et ça s'est produit beaucoup chez les étudiantes et les étudiants, qu'ils avaient eu plein, plein de démonstrations, et bon, ça allait assez vite et tout, mais d'un seul coup, il y a un truc où c'est plus difficile. Eh ben en persistant, en continuant, en se disant non, mais je sais que ça, voilà. Et en insistant, eh ben, il y avait la solution qui apparaissait. Quelquefois pas en un jour, quelquefois en un mois, en 2 mois, etc. Ça Oui, dépend de c'est ça. l'importance de l'obstacle auquel on est confronté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les difficultés auxquelles on est confronté, par exemple une maladie ou quelque chose, c'est nous-mêmes qui avons, je ne sais pas trop comment, parce qu'on a émis, provoqué tout ça, parce que c'est en nous, tout est en nous.
Donc, on a eu l'énergie nécessaire pour provoquer ce truc qui ne nous plaît pas du tout, que ce soit un obstacle, enfin de n'importe quelle sorte, mais cette énergie, on l'a sortie de nous. Donc, on a cette même énergie que l'on peut utiliser dans l'autre sens pour défaire. C'est une des choses qui m'a le plus aidée quand j'ai vu sous cet angle la question, c'est que cette énergie étant sortie de nous pour faire cette difficulté, cette énergie, on peut l'utiliser de la manière opposée aussi. Voilà, c'est en nous. On a eu suffisamment d'énergie, quelquefois on a mis des années pour créer un truc qui ne va pas. Ben Voilà. là, Voilà. on est puissant quand même, que ce Ah, soit dans le bon que dans le mauvais. voilà, Alors, mais c'est vrai qu'on n'a pas utiliser appris, le on n'a mot. pas appris, oui, on n'a pas vraiment appris tout ça. Voilà, mais je Merci vous embrasse, beaucoup. hein. Merci à toutes et Je à vous embrasse tous. toutes et tous, et puis J'embrasse. à très Au bientôt. revoir, à bientôt. Au Merci 19 Hélène. novembre. À bientôt. Enfin.